Nous parlons des trois formes de puissance. Let's talk about the three kind of power. Alléluia. Lisons Jean chapitre 1 verset 12. Let's read John chapter 1 verse 12. Je vais aller tout droit au but. I'll go straight. Can you read together? À 3. 1 2 et 3. Dites avec moi le pouvoir de devenir. The power to become. Très fort, le pouvoir de devenir. The power to become. Plus fort, le pouvoir de devenir. The power to become. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. God bless you. Restons assis. Have a seat. La science nous apprend, n'est-ce pas? The science teach us. Que tout objet est en état de repos jusqu'à ce qu'une force adéquate lui soit appliquée. Any kind of object is stay rest until that something strange comes to him. Ça veut dire qu'il n'y a aucun mouvement dans la vie d'un homme s'il n'y a pas eu une force qui lui a été appliquée. It means that there is no movement in the life of people if no things happen to him. Et c'est cette force que j'appelle moi puissance. And this is the strength I call power. Elle est valable dans le royaume de notre Seigneur Jésus et elle est valable dans le royaume des ténèbres. It's also in the kingdom of Jesus Christ, in the kingdom of darkness. Il n'y a aucun mouvement sans qu'il n'y ait manifestation d'une puissance. There is no movement without a manifestation of the power. C'est la raison pour laquelle certaines forces sont requises, n'est-ce pas, pour provoquer un mouvement vers l'avant. And that's why we require some strength to move ahead. Et je suis absolument certain qu'avant que je ne dépose ce micro, ta vie va prendre, n'est-ce pas, une direction en avant au nom de Jésus-Christ. Before I drop this mic, your life will move ahead in the name of Jesus. En d'autres termes, tu pourrais le dire avec moi en levant la main droite et le déclarer, je vais aller de l'avant maintenant. Say that I will move ahead now. Il y a des choses que vous devez faire si vous voulez partir de votre maison jusqu'à votre lieu de travail. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre fauteuil et demander à votre onction ou à Dieu de vous téléporter à votre lieu de travail. Mais si vous le faites, vous attendrez indéfiniment. If you do so, you shall wait for nothing. Non pas que Dieu ne soit pas capable de le faire. It's not because God is not able to do it. Mais parce que ce que vous demandez est anormal. Because what we ask is not normal. Dieu agit dans des cas extrêmes et chaque miracle en fait a un but. Dieu ne fait pas des miracles pour les faire. Each miracle has a purpose. God doesn't perform miracles just to perform them. Dites-moi amen très bien. You say amen well. Il faut comprendre que si vous voulez quitter votre maison pour aller à votre lieu de travail, vous devez vous lever et utiliser, n'est-ce pas, les pieds que Dieu vous a donnés. Béni soit le Seigneur pour nos pieds. Pour poser des pas l'un après l'autre jusqu'à atteindre votre bureau. If you want to go to work, you need to work to reach your office. En d'autres termes, vous devez faire quelque chose pour arriver quelque part. In other words, you should do something to reach somewhere. Et si vous ne faites rien, vous n'irez nulle part. If nothing is done, you can move anywhere. Je vais répéter, vous devez faire quelque chose pour arriver quelque part. You need to do something to reach somewhere. Et si vous ne faites rien, vous n'irez nulle part. If you don't do something, nothing will happen to you. Il y a un prix à payer pour atteindre des hauteurs. There are prices to be paid to reach some high. Il y a un prix à payer pour atteindre des sommets. There are prices to be paid to reach some summits. Il y a un prix à payer pour vivre une vie de progrès. There are prices to be paid to live a life of progress. Et moi, je voudrais ce matin détruire l'influence de la stagnation qui est la mère de toutes les frustrations. Tu ne peux pas rester stagnant au nom de Jésus-Christ. I want to destroy any kind of stagnation in the name of Jesus. Je détruis la stagnation. I destroy the stagnation. Et je détruis sa maman. And I destroyed its mother. Et sa maman qu'on appelle la frustration. Its mother is called. La fille et la mère, je les enterre sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Donne-moi un amen majeur si tu comprends ce que je suis en train de dire. You say amen if you understand what I'm saying. Alléluia. Hallelujah. Et donc il faut comprendre que si tu ne fais rien, you have to understand that if nothing is done, ben tu n'auras rien. Nothing will happen as a result. Je voudrais vous dire d'une manière très claire. On a été béni par l'enseignement de
de l'évêque Jacques Elbaz. I want to say something clear. Vendredi, il disait que Jésus a tout payé pour nous. And on Friday, said that il a payé pour nos dettes. He paid for us. Il a payé pour nos dettes et il le répétait et c'est tellement vrai. He paid for our debt, and this was so true. Mais je me suis réjoui lorsqu'à la fin il a dit at the end, he said, à mon fils que voici to my son, il a dit he said, quand tu auras l'argent when you have money, va payer tes dettes. Go and pay your debt. Alors si Jésus a payé nos dettes, if Jesus paid our debt, pourquoi dois-tu aller payer tes dettes? Why did you go and pay your tithes again? Parce que si tu ne le fais pas, if you don't do it, ah. Quand le créancier se présente, tu lui dis, Jésus a payé mes dettes. You say that Jesus has paid. En fait, les gens ne comprennent pas la parole dans sa profondeur et dans sa réalité. People, c'est vrai qu'il a payé les dettes. Il a payé cette réalité en esprit. Toi, le créancier qui est devant toi, là, c'est un homme physique. But the physical man is before you and claim for his donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller vers celui qui a payé ses dettes et lui dire donne-moi de quoi aller payer mes dettes. He shall tu go les as to God and say that give me something to pay my debt. Mais s'il ne le fait pas et qu'il reste dans la position où oh c'est déjà fait, oh il a déjà tout accompli, done. Mon ami, he has accomplished all, my tu vas rester dans la même situation, you will stay in the same situation sans comprendre comment est-ce que ça marche. Without understanding that how it's il y a des forces qu'on applique à sa vie pour qu'il y ait un progrès. Si tu les as pas, tu restes stagnant. There are strengths that you have to apply to your life to be in the progress. Otherwise, touche quelqu'un, dit il y a des forces que tu dois appliquer. Il y a des prix à payer pour tout dans there la vie. Il y a des prix pay. À payer. There are prices to be paid for everything in your life. Il y a des prix à payer. There are prices to be paid. Vous savez, you know, Jésus-Christ a son sang qui a coulé pour nous tous. Jesus Christ's blood shed for all of us. Il est mort pour sauver le monde et le monde ne sera pas sauvé. And he died to save all the world, but the world should not be saved. Ce sont des individus qui seront sauvés. There are individuals that will be saved. Nuance. Like make the difference. Il a déversé son sang. He poured his blood pour nous laver, nous qualifier. To wash us, to qualify us. N'est-ce pas? Pour l'obtention de ses promesses. To have all his promises. Mais la vérité, c'est que but beaucoup de chrétiens ne vivent pas les promesses de Dieu. Is that many Christians didn't live in the parce qu'ils ignorent dans chaque domaine quelles sont les forces qui leur sont applicables pour qu'ils puissent aller de l'avant. But they forget about the strength they need to move ahead. Mon ami, mourir comme un ignorant, dying like an ignorant, c'est pire it's so worse qu'avoir le VIH-Sida. Than having AIDS. C'est pire qu'avoir le cancer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Do you understand what I'm saying? Tu as ma permission en formant ton poing et en le tapant comme ça à celui qui est à côté. Dis-lui, je t'interdis d'être ignorant. Je te l'interdis au nom de Jésus-Christ. I forbid you to be ignorant. Vous savez, quand des chrétiens sont dans une église et qu'ils sont ignorants, when Christians are in a church, they are ignorant. Ils critiquent et condamnent tout ce qu'ils se font, tout ce qui se fait. They criticize all what is done. Et eux, leur vie n'avance pas. And their life parce qu'ils ne comprennent pas. Because they don't understand. Que si tu ne fais rien dans ce royaume, if you do nothing in this kingdom, tu n'as rien. Oh. Nothing will happen to you. C'est une mauvaise compréhension de la notion de la grâce. It is a bad understanding of about qui tue grace. En fait les chrétiens et qui fait que à côté de nous. Ceux qui n'ont pas la grâce qu'on a là, ils prospèrent et puis ils avancent. Parce que eux, ils ont compris la dynamique des actes. But those who do not, they move ahead, they understand. But they donc, je n'entends pas amen. Eux, ils ont compris. Eux, ils ont compris. They have understood it. Donc, ils n'ont aucun problème à payer des prix. There are no problem to pay prices. Pour pouvoir avancer. To move ahead. Oui, Jésus a payé le prix, mon ami. Of course, Jesus paid the price. J'ai dit, je vais être concis. Mais si tu n'appliques pas. If you don't apply. Certaines réalités, some realities, ta vie n'avancera pas. Je ne veux pas te tromper. Je veux I don't te dire want la vérité. You. I tell you the truth. Le savon, là, the one who ça existe. Mais tout le monde n'est pas propre. They have soap, but everybody is not clean. Le sang de Jésus, là, the blood of c'est Jesus, notre savon. It's our soap. Ça a déjà coulé. It's c'est acquis. Si tu n'es pas capable, toi, if d'aller prendre able, le savon pour te laver correctement to bath properly, et revenir te présenter aux gens dans la propriété, and come to people, tu resteras sale clean. Et tu vas sentir mauvais. You still remain dirty, alors que le savon existe, so il a été existed. Déjà pourvu. It mais comme tu ne comprends pas que tu as quelque chose à faire, as you don't understand, tu croises les bras et tu déclares, bon, le savon existe, mais tu n'auras rien. And you say that soap exists, but nothing will happen.
Il faut sortir de l'enfantillage. Come out of childhood. Et prendre ta vie spirituelle en main. And take serious your spiritual life. Dis à ton voisin. You tell to your neighbor. Si tu te laves le savon. If you don't bathe comment tu vas être propre? How can you be clean? Faut lui dire ce que je dis. Ne te gêne pas. Tu as ma permission. Dis-le lui. Le savon là. The soap? C'est le sang de Jésus. It is the blood of Jesus. Hein? Il y a une situation. Ah, the blood of Jesus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. The blood of le sang Jesus. A déjà parlé pour moi. The blood has spoken for me. Le sang a parlé pour toi. The blood has spoken for you. Et la bouche que Dieu t'a donnée, c'est pourquoi? But what for do you c'est pour récupérer la parole qui est dans le sang là. In the blood of Jesus. Pour la dire sur toi-même. And to say it upon your life. La vie spirituelle n'est pas une vie passive. But the spiritual life is not a passive life. On a été tellement mal enseigné dès we le départ. So wrongly taught at the beginning. Surtout en francophonie, on fait un travail énorme so pour ramener les mentalités à la justesse de la parole de and Dieu. And you are working too much to bring mentality to the righteous of the à la justesse. Il a tout accompli. He has accomplished all. Il a accompli sa mission. He has accomplished his mission. Tu as la tienne. But you have yours. Tu dois t'appuyer sur ce qu'il a accompli. You have to base on what he has done. Il a payé tes dettes. He pay your debts. Toi, faut pas aller payer tes dettes. But you don't go and pay all your debts. Dis à quelqu'un, il a payé. Hein? He has paid. Mais toi, tu dois aussi payer. But you also ouvre la bouche, dis-lui, il a payé. He has paid. Mais toi aussi, tu dois payer. You also have to pay. Dis-lui, il a combattu. Hein? He has fought. Mais toi aussi, tu dois combattre. But you need to fight. Dis-lui, il a vaincu. Hein? He overcame. Mais toi aussi, tu dois vaincre. But you need to overcome. C'est ça qu'il faut comprendre. This is what we need to understand. Rien n'est un acquis à la base. Nothing is something that we have at the base. J'aime bien nos parents au village. I really love our parents. Parce qu'on trouve souvent la sagesse dans ce qu'ils disent. Because we found wisdom sous la forme proverbiale. Like proverb. C'est la sagesse humaine. It mais elle est aussi bonne. Wisdom, but it's also good. Mon ami, ma fille, my friends, le portable même que tu as dans ta main là. The mobile phone even you have in your c'est hand, toi qui dis que c'est pour toi. You say that it's yours. Moi je peux te regarder et te dire c'est pas pour toi. I can look at you and say that it doesn't belong to you. Bon, d'abord, ce n'est pas pour toi parce que le propriétaire, là, il a mis des choses dedans que toi, tu ne maîtrises pas pour te contrôler. Because the owner put something in it that you don't on vit dans un monde où on est tous contrôlés. To watch you. All of us, we are watched. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, je vais laisser ça. I will let mais you si moi, je viens vers toi, tu if dis que c'est pour toi. You, you say that et puis, j'ai plus de force que toi et je t'arrache ton portable. I have more strength than you than I take it in you. I il n'est plus pour toi. It doesn't belong to you anymore. Il y a ta puce dedans. You have your SIM card. J'efface. I clean everything. Ton nom, j'enlève. Your name, I remove. Je mets mon nom, c'est I devenu pour name, moi. Then it become mine. C'est le plus fort. It's the stronger. Qui gagne. C'est pourquoi si tu es faible who dans wins ce monde, that's why if you are weak in this world, tu perdras même ce que tu as. You shall lose all what you have. Tu n'as pas le droit d'être faible. You don't have the right to la Bible be dit que le, weak. Fort, que le faible dise qu'il est fort. Maybe ça veut dire dans ce royaume, il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a in pas de faible. Kingdom, tel instant où tu prends la position du faible, tu if perds tout. Weak, position, you lose everything. Le royaume ne supporte pas ça. But the kingdom doesn't support this. Je vais continuer. I'll go on. Mais je veux que tu te lèves et que tu ailles dire à quelqu'un. I would like to avec go and air tell sérieux, to someone seriously. Si tu te lèves pas pour prendre ta vie en charge, if you don't take your life, tu seras piétiné dans cette vie avec le nom de Jésus dans ta bouche. With the name of Jesus. Je veux que tu lui dises ça. Qui est en train de me comprendre? Who is getting my point? Je vais être honnête avec vous. I want to be honest with je vais être totalement honnête avec vous. I want to be honest. Parce qu'il faut qu'on sorte de l'enfantillage. Because we need to come out of childhood. Vous savez? You know? Vous savez? Dans cette vie-là. In this life. Je vais parler un langage ivoirien. Tout est palabre. Everything is battle, struggle. Maman t'a mise au monde. Mommy gave you birth. Tu nais comme un enfant. You are born like a child. Mais rien ne définit que tu deviendras un homme ou une femme. Nothing defines that you become a wife or a man. C'est vrai ou c'est faux? Tu as la semence en toi you have the seed in qui you doit te permettre de devenir un homme demain.
that allow you to become a Mais des circonstances de vie But circumstances of life peuvent t'arrêter dans ton enfance, can stop you in your childhood, arrêter ta maturité, arrêter ta croissance, arrêter ta vie. Your life. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas mis la semence en toi. Mais il y a des choses you. Quand elles ne sont pas faites. Tu perds et la semence et le don et la destinée. And you lose everything, the seed, the destiny and the seed. Faut pas croire. Don't believe that. Simplement de façon naïve. Only naive. Que parce que Dieu a dit. Because God says. Il fait. He will do it. Ça. C'est la nourriture qu'on donne It's the food that we give à ceux à qui on prêche le lait. To those that you preach about milk. Je me retrouve à un aéroport avec l'un de mes bébés qui n'avait même pas 5 ans. I was the airport with one of my baby. Il me regarde droit dans les yeux et me dit, mais papa, pourquoi on attend ici? He said, Daddy, why are we waiting en fait, here? Sa question même m'a étonné. I was so astonished. Papa, pourquoi on est dans la file? Pourquoi on attend? Daddy, why are we waiting for et here? Puis il parle, il roule les airs. So he was talking. Pourquoi on attend? Why are you waiting? Dis-moi, papa, la prochaine fois. Tell me, Daddy, next time. Mais tu nous achètes un avion privé et puis on va plus rester dans cette file. Je regarde l'enfant, je dis, ouais. I look at my child, I say, c'est yes. Pas toi. Tu sais à quel âge moi j'ai pris l'avion pour la première fois. C'est, non, c'est pas toi. Did I take the plane for the first time? Mais je peux pas aller plus loin que ça. So parce que sa foi dit que son père peut acheter un avion. Because donc je ne veux pas me dégrader, je ne veux pas me diminuer. Il est en train de me dire, tu as la semence en toi. La promesse, c'est la semence en toi. Mais une semence peut ne jamais devenir un arbre. But it should never become a tree. Faut pas être naïf. Don't be naive. Non, moi j'ai la semence pour devenir ça. I mon have ami. The seed to become. Oui, tu as la semence. Of course, we have the seed. Mais il y a des forces qu'on applique à la semence pour qu'elle puisse grandir. Sinon, elle reste un grain. Otherwise, et puis ça meurt. It will stay a grain and die after. C'est vrai ou c'est faux? Is that true or false? Présent. C'est ça, hein? Quand tu as mis en terre, là, when you put il y a des conditions, there are some conditions à réunir. To gather it. Climatique. Climate, il y a des conditions. There are conditions. Il faut arroser. You have to water it. Il faut enlever les mauvaises herbes. You have to remove the il faut veiller dessus. And wash on this. Pourtant, Dieu a tout mis dans le grain. But God put everything mais in si the toi, seeds. Tu ne veilles pas dessus, but if you don't take care of this, ce pourquoi Dieu l'a mis, là, why God done it, ça ne va pas devenir it réel. Will not become real and true. Ce ne sera pas la faute de Dieu. You're not God's fault. Mais ce sera toi. But you are parce que tu n'auras pas fait ce que tu dois faire. But you should not do what you are supposed to do. Je vous dis la vérité, nous devons tous nous repentir. I have to tell you the truth. You need to parce repent. Qu'il y a des choses auxquelles Dieu nous appelle que nous ne faisons pas. Because God calls us for something but we don't do them. Et c'est ce qui nous met en arrière. And this puts us back. Regarde ton voisin dit, tu you dois te repentir. You have to repent. Ouvre la bouche, dis-lui, tu dois te repentir. You have to repent. C'est la vérité. It is the truth. Merci au Seigneur. Thank you to the Lord. Tu es dans ton couple, tu es allé avec ta femme. You Dieu are, a béni, n'est-ce pas, vos histoires. Et puis God un enfant est venu. You. On appelle you ça les histoires. A, you have a child. Mais parce qu'il y a une histoire à raconter dedans. Donc, il y a un enfant qui est venu. The l'enfant est venu là. The baby came. On est content. We happy. On est heureux. We happy. Mais le championnat de l'éducation de cet enfant. But you have to make education of the child. Demandez-le aux parents. Ask to the parent. C'est Dieu donné, hein? C'est Dieu qui a donné, hein? God gave you. Hein? Tout est accompli, hein? Everything is accomplished. Les chrétiens ne perdent pas leurs enfants. Regarde-moi. Il n'a pas accompli pour qu'il ne meure pas. Il a dit que c'est les enfants qui enterrent les parents. Pourquoi les parents enterrent les enfants? Why did parents bury the children? La semence existe. The seed exists. Mais il y a un entretien là. Si ce but n'est pas fait, to take care ça of passe à seed. Côté. Otherwise, et ce n'est pas la faute de Dieu. C'est toi qui n'as pas la connaissance qu'il faut. Qui n'as pas les actes qu'il faut. You don't have pour, the suitable knowledge. Pour exercer la force qu'il faut à and l'enfant là. Pour qu'il puisse grandir dans to un environnement the sécurisé. To the child to grow up. Moi, je suis bishop. I'm bishop. D'accord? Je suis à Abidjan. I'm in Abidjan. Une fois, j'ai un enfant qui était en France. One day, one of my il va à l'école. In l'enfant est tombé à l'école. He fell down at school. J'ai demandé, mais il y a quoi?
And they asked me what's wrong. J'interroge mon père. Il y a quoi? I said to my father, what's wrong? Je te sais. I serve in you. Ça suffit pas? This is not enough. Il dit non, ça suffit pas. He says it's not enough. Mais en quoi ça va suffire? In what this will be enough? Pour chaque chose. For each thing. Il y a des lois. They have some laws. Il me dit, est-ce que he asked me, tu allais établir un hôtel dans l'école? Did you establish an pour arrêter les forces in the school to stop the strength qui pourraient combattre tes enfants? That fought against your children. Alors, si j'étais un chrétien au lait, if I was a Christian, j'allais dire, mais Jésus, tu as tout accompli. I should have said that Jesus accomplished all. Je me suis levé, j'ai bâti un hôtel avec une pierre, je suis allé jeter dans l'école, c'est plus jamais arrivé. I make an altar with a stone, then I throw it in the school. Là-bas. This has never happened again. J'ai entendu ici en délivrance. I heard here in deliverance. Comme toi, tu nous combats. As you fought against us. On va combattre aussi tout ce qui sort de toi. You fight all your children. Regarde ton voisin, dis-lui. Ask your neighbor, tell him. Croise les bras. Cross your hands. Regarde les autres, tu vas look être étonné. At others, you will be astonished. Non, ouvre la bouche, dit, tu vas être étonné. Jésus a tout accompli. Tu vas être. Tu vas être. Réponds-moi, tu vas être. Il faut sortir de cet enfantillage. Come out of this. Tu vas être étonné, hein? You'll be astonished. 20 ans. 20 qu'on est marié. That we're married. C'est la joie. It's joy. C'est aussi des pleurs. Also. C'est aussi des larmes. Also tears. C'est aussi des souffrances. Also suffering. Il n'y a aucune couronne. There is no crown. Sans une croix. Without the cross. Tu n'es pas prêt à prendre ta croix. You are not ready to take your cross. Oublie la couronne. You forget about the crown. Quand je libère la bénédiction, when tu es prêt, tu sautes, je veux. And you jump and say, I want. Tu ne sais pas ce qui accompagne bénédiction. You don't know what. Le combat est proportionnel. And the battle is suitable. Le combat the battle est proportionnel is à la hauteur de la grâce. To the higher of the grace. La plus grande bénédiction que Dieu donne à Israël, c'est Canaan. Et Canaan, c'est une terre occupée. The higher blessing God gives Dieu ne Israel te donnera jamais quelque chose de bon sans que tu n'aies un grand combat dedans. God will never give you something great. Un grand combat dedans. Without the great battle. Tu vas déloger des gens qui sont plus forts que toi. They are stronger than you. Tu vas chasser des animaux. You cast out animals. Tu vas prendre possession des villes. And you have possession of tu dois planter et attendre le temps, n'est-ce pas, qu'il faut pour que la semence en terre puisse produire des fruits avant que tu ne manges. And wait that the grain will bring out. Et Dieu dit, c'est la plus grande bénédiction que je te donne. And God said, this is the great blessing I'm giving to you. Il y a des pleurs dedans. There are some crying and weeps. Faut arrêter d'être un enfant. Stop to be a child of God. Regarde ton frère droit dans les yeux, dis-lui. Look at your brother. C'est que tu cherches là. And tell him what you are seeking for. Tu vas l'avoir. You will have it. En pleurant aussi. Dis-lui, ce que tu veux là, what you want, c'est bon. It's good. Mais tu peux ne jamais l'avoir. But you may not, même si Dieu it. A parlé. Even God has spoken. Si tu ne fais pas ce qu'il attend de toi. If you don't do what God expects you to do. Joseph, tu vas gouverner tes frères. Si Joseph couchait avec la femme de Potiphar, if Joseph should have sex with the wife of Potiphar. The plan of God should have been il avait la semence pour devenir premier ministre. He has the seed to become first minister. Oh my God. Dis à quelqu'un, avoir la semence pour devenir. Tell somebody to have the seed to become. Ne veut pas dire que tu deviendras. Shall not mean that you will become it. Dis à ton voisin, avoir tell la semence de la grande victoire. To have the seed of great victory. Ne veut pas dire. Doesn't mean that que toi tu vas avoir la grande victoire. That you will have the great victory. Il y a des forces que tu dois appliquer à ta vie. They have strength to be applied to your life. Et je suis parfois étonné que ce soit les chrétiens qui sont les plus naïfs dans le domaine. And sometimes I'm allez demander aux francs-maçons quels sont les prix qu'ils payent pour être là où ils sont. Christians are so ignorant. Go and ask to those mystics. Allez demander aux rosicruciens quels sont les prix qu'ils payent pour être là où ils sont. What praise they pay? Toi, Dieu te demande juste une obéissance, des miettes. And God asks you something. Et tu luttes avec Dieu. And you struggle with God. Qui a besoin de qui?
Who needs who? Quand je suis couché dans mon lit là, when si I tu pleures chez toi, c'est ta souffrance. If you don't pray at home, it's le jour où je t'ai vu, je compatis. The day I saw c'est you, tout ce que je peux faire. La souffrance est intrinsèque, elle est personnelle, elle est individuelle. The suffering is tu viens ici, tu vas regarder ton frère, ta soeur pour faire les choses. Vous n'avez pas la même destinée. Hein? You look at your brother. Vous n'avez pas la même vie. Hein? You don't have the same life. Tu veux faire les choses à la manière des. Tu vas rester en arrière, mon ami. You will stay back. Tu vas rester en arrière. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'envoie ici. There is a reason why God sent you here. Il y a une raison. There is a reason. Il y a des hauteurs dans lesquelles tu ne montes pas si tu ne payes pas certains prix. Il faut arrêter d'être un enfant dans ta tête. You start to be a child in your head. L'argent, c'est quoi? What is money? C'est quoi même? Tu es né nu, tu n'avais rien. You born naked, nothing to you. C'est Dieu qui t'a donné. Is God who gave Est-ce que vous pensez que je peux m'arrêter devant mon père et lui dire, papa, je te donne pas, même si je suis fou. Do you think I cannot tell to my father that daddy I cannot give you? Je ne peux pas. I cannot. Il y a des lois, il y a des règles. There are some laws, some rules. Il y a des règles. There are some rules. Je me suis un peu fâché contre certains fils à qui je donnais de petits tests, donne 5 millions, donne 2 millions, qui n'arrivaient pas à le faire parce qu'ils ne comprenaient rien. Dieu ne te demande pas une chose que tu n'as pas. Il n'en a pas besoin. When I ask them 2 millions or 5 millions, God doesn't need it. C'est pour ta vie. Oh. It's your life. Il y a des prix à payer. They have price to be paid. J'ai jeûné pendant 5 ans. Toi, tu ne peux pas jeûner 40 jours. For 5 years. Quand tu viens t'asseoir, je te bénis. Là. C'est un prix que j'ai payé. Ce n'est pas Jésus qui a tout accompli et puis m'a point comme ça. Il y a un prix que j'ai payé. I paid a price for this. Dans ma chair. In my flesh. Regarde ton frère, dis-lui. La réussite n'est pas un accident. Look at your brother. Say that equipment is not. Non. S'il te plaît, ouvre la bouche. La réussite là, c'est pas un accident. Achievement is not an accident. Même s'il me faut vendre un bien. Even if I have to sell. Pour satisfaire cette exigence, je vais le vendre. To satisfy this, I will do it. Parce que c'est Dieu qui m'a béni. Because God. Je n'ai rien qui vient de moi. Nothing come from Tout myself. Vient de lui. Everything come s'il from le God. Demande, je ne peux pas dire non. If you ask to me, I cannot say no to this. Ce serait oublier. It's me that you have forgotten. Qui j'étais. Who I was before. Ce serait oublier qui j'étais. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Do you understand what I'm saying? Regarde ton voisin, dis-lui. Look at your tu veux réussir? Do you want to succeed? Ouvre la bouteille. Tu veux réussir? Do you want to succeed? Ce ne sera jamais un accident. It will never be an accident. Tu ne vas pas réussir juste parce que quelqu'un vient prophétiser sur toi. You will not succeed just because someone la prophétie est la semence. Mais tu as la semence. Et tu peux ne pas devenir. You may have the seed but not become. Ce que la semence détient. What the seed parce que tes helps. Actes peuvent tuer la semence. Because your action may kill the seed. Donc, je veux que tu te lèves et que tu dises à quelqu'un, mon ami. Tell to someone, my friend. On est venu ici là pour réussir. We came here to succeed. Donc, ton ego, ton toi, tout ça. Faut enlever ça. Faut enlever ça. Sinon, tu vas rester là. Hein? Quand Dieu dit à Abraham, faut prendre ton fils unique pour aller le tuer. Là. When God said to Abraham, take your son, go and kill him. C'était pourquoi? Why? Vous pensez qu'Abraham est devenu ce qu'Abraham est devenu sans prix à payer? Do you think that Abraham became what he was without paying the price? Ah! La grâce. Grace. Faut pas prendre savon pour te laver. Don't wash with soap. Il ne faut pas aller récupérer ce qui a été fait Don't et agir dans la même direction. And walk in the same direction. Des gens qui ont une vie qui n'évolue pas dans le sens de la volonté de Dieu sont des gens qui sont désobéissants à Dieu.
qui sont orgueilleux, qui sont remplis d'eux-mêmes, qui ne sont pas brisés et qui ne sont pas prêts à servir Dieu. They are not ready to serve. Moi, je ne marche pas avec des gens comme ça. I'm not working with people like this. Je prie plus pour vos enfants que les miens. I pray more for your je prie pour vos épouses que ma femme. I pray more for your wife than my wife. Ma vie est un sacrifice. My life is a sacrifice. Donc, ne soyez pas étonnés quand Dieu dit je te lève à l'Assemblée nationale française. C'est pas, je ne connais personne là-bas. Don't be astonished when God raises c'est une récompense. National Assembly of il dit France, si les nationaux ne veulent pas te reconnaître, reward. Moi je vais prendre les patrons des nationaux pour te reconnaître. If the national don't want to acknowledge you, I will acknowledge you. Mais ça vient sanctionner une vie de, c'est une vie dédiée à Dieu. And this is a reward for the life dedicated to God. Levons les mains et crions à la miséricorde de Dieu. Seigneur, aide-nous. C'est Lord, Seigneur, help aide-nous. Us. C'est... Non, crions à la miséricorde de Dieu. Let's shout. Dis-le plus fort. Crions à la miséricorde de Say Dieu. It again. Quelqu'un qui veut réussir dans sa vie là. Somebody who wants to succeed in his life. N'a pas peur de payer le prix. He's not afraid. Quand tu vois quelqu'un se lever, se priver de nourriture pendant 10 jours, il pompe, il mange pas. Même l'eau, même pour boire, souvent il boit pas. Il cherche quelque chose. Jésus a tout accompli. Jesus has mais il cherche all. Quelque chose. Il est conscient qu'il ne peut pas juste croiser les bras et espérer que les choses qu'il soit téléporté, n'est-ce pas, de son salon à un lieu de travail. Ça ne marche want pas comme ça. Il est conscient qu'il a des efforts à fournir. He noticed that there is something to be done. Il y en a qui ne fournissent aucun effort et qui veulent vivre une vie miraculeuse. Tu rentres chez toi, ta Bible est fermée d'un dimanche à un autre. C'est juste le lendemain que le dimanche suivant, tu te rappelles, tu as une Bible. Tu la dépoussières, tu viens au temple. Oui, papa va me bénir. Mais toi, tu entretiens ta vie comment? How do you take care of your life? You don't read your Bible. Et à cela, il y en a qui rajoutent l'impudicité. And some of them add fornication on this. En plus, à cela, il y en a qui rajoutent l'impudicité. Il y en a qui rajoutent l'adultère. Some had adultery. À cela, il y en a qui rajoutent, n'est-ce pas, la désobéissance. And some had disobedience. Mais on n'est pas... On est juste un humain. We're just human. Mis devant vous pour vous aider à réussir. Mais vous n'écoutez pas la voix de votre berger, vous n'irez nulle part. If you don't listen to the voice of your shepherd, you won't go anywhere. Dieu n'est pas dans la rébellion. God is not in rebellion. Dieu est dans la soumission. God is et dans l'obéissance. In submission, in obedience. Paye le prix pour réussir. Tu es dans des affaires, il y a un prix à payer. You pay the price in business, there's a price to même be paid. Même pour réussir un couple, il y a un prix à payer. Even to have achievement, success in your couple, there's a price to be paid. Réussir l'éducation des enfants, il y a un prix à payer. In the education of their children, there are price to avant be paid. Une grande église comme ça là, il y a un prix à payer. To have a good c'est pas une affaire de porter veste, mon ami, c'est pas there's ça. Price to be paid is not about wearing suit. Il y a un prix. There is a price. Il y a un prix. Je passe au deuxième point. Dis à ton frère, si tu ne changes pas, ça ne changera pas. You don't change, things will not change. Dis, même si ton père te bénit, si even tu ne changes pas, father bless you, if you don't ça change, ne changera pas. It will not change. À tous ceux qui l'ont reçu, to à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de it's Dieu. Give the power to become son of God. Tu es devenu enfant de you Dieu. Become son of God. Tu n'es pas devenu un homme fait. You didn't become a weak c'est man. Un nouveau né it's a newborn qui a la semence. Who has the seed. Mais s'il ne l'entretient pas, if he doesn't take care of the seed, s'il ne la développe pas, he doesn't develop the seed, il ne peut pas atteindre l'objectif pour lequel il a eu cette he semence. Cannot reach the purpose while he has beaucoup the de pasteurs seed. Échouent avec la semence many pastors parce qu'ils croient que la seed. Semence c'est un accomplissement. Because the c'est the une erreur. It's a mistake. C'est une erreur. It is a mistake. Pose la question à ton frère. Qu'est-ce que tu veux devenir dans les ask deux années à venir? To your deux brother, ans. What non, non, you même pas. Become? D'ici la fin de l'année. From qu'est-ce now que tu veux obtenir? Qu'est-ce year? Que tu veux devenir?
What do you want to become? Dis pour le devenir. To become it. C'est pas juste la bénédiction. It's not just the blessing. C'est qu'est-ce que tu fais? It's what do you do? C'est qu'est-ce que tu fais? What do you do? Il y a un prix à payer pour tout. There is a price to pay for. Mon ami, je vais te dire une chose, c'est la vérité. Mon ami, non, je sens que je dois te dire ça. I have to tell si tu adultères, garde tes dîmes. Je m'en fous de tes dîmes. If you are living adultery, keep your tithes. Réponds-toi, je prêche pour le salut de ton âme. Repeat je ne prêche yourself. Pas pour que tu prospères et que cette prospérité t'envoie en enfer. C'est pas l'objectif de l'évangile. Je prêche pour que ta vie soit sauvée et que tu glorifies Dieu avec cette vie. C'est la raison pour laquelle j'annonce l'évangile. I preach for your life to be glorified and glorify God. C'est la raison. This is the reason. Vous pensez que boîte de nuit là, nous tous on peut pas aller là-bas aussi? You think that all of us we cannot go in the nightclub? Nous tous on peut aller là-bas aussi. All of us we can. Nous tous on était là-bas avant. We were there before. Quand on connaissait pas Jésus. We don't know Jesus. Mais c'est des endroits où on trouve des démons. But it is a place that we find. Tu veux te réjouir? Qu'est-ce qui t'empêche de faire des fêtes chez toi à la maison? You want to rejoice yourself? Why don't you make feasts at home? Mais qu'est-ce qui t'empêche? Si tu veux tous les samedis, tous les vendredis, faire la fête chez toi. If you want. Invite tes frères et tes sœurs, fêtez sainement. And have the feast at home. Aucune débauche, aucun chicha, aucune odeur de cigarette, aucune odeur de cigare. Ah, c'est quoi ça? Tu sors de là, tu pues la cigarette. Tu es un enfant de Dieu. À n'importe quel moment, le Seigneur peut exiger que tu annonces la parole. Quel est ton témoignage dans cette ville d'Abidjan? Quel est ton témoignage dans ta famille? Quel est ton témoignage dans ton église? In your church, what is your testimony? In your family, quel est ton témoignage? What is your testimony? Mais il faut faire attention. You need to be careful. Il y a plus de jours de fête dans la Bible que de jours de jeûne. There are more days. Donc Dieu aime qu'on se réjouisse. In the Bible, don't. Mais il faut se réjouir sainement. But you have to rejoice in the holy. Tu as une belle maison, gloire à Dieu. Tu fais la fête autour de la piscine. Faites la fête, réjouissez-vous. La ville, la ville. C'est 90 ans, 120 ans pour les Juifs, c'est ce qu'ils nous disent. C'est tout. Après, on va au ciel. Life is 19 years. Tu peux te réjouir, tu te réjouis. Then after you go to the heaven, you want to rejoice, rejoice yourself. Faut pas être religieux. Don't be religious. Mais attention. But be careful. Quel est ton témoignage? What is your testimony? Et mon travail est de veiller à ce que Dieu soit content et de te rapprocher toi de Dieu. Si tu ne comprends pas ça, ça va être un problème. Parce qu'on doit tous aller vers lui dans notre manière de vivre, dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir, dans notre manière de réagir. Dans notre on doit tous aller vers lui. C'est ce qui prouve qu'on est des chrétiens. We have to go to God. It shows that we are Christians. C'est ce qui prouve qu'on est des chrétiens. Il n'y a plus de chrétien qui attrape sa Bible aujourd'hui dans la rue. Les gens ont honte de Jésus-Christ. Many people are ashamed of Jesus Christ. Alors qu'ailleurs, en pleine 13 heures, c'est le goudron qu'ils vont couper pour afficher leur foi. But some sans l'autorisation de la mairie. They show their faith. Mais les chrétiens se cachent. But Christians hide themselves. Attrape les mains de quelqu'un, dis-lui, servons Dieu avec notre corps. Servons Dieu avec notre âme. Servons Dieu avec notre esprit. With our spirit. Servons Dieu avec nos biens. Let's serve God with our goods. Servons Dieu. Let's serve God. Servons-le. Servons-le. Mais comme tu dis tout là, qu'est-ce qu'on a qui ne vienne pas de lui? When you say yes, qu'est-ce qu'on a what do you qui have? Ne viennent pas de lui? Does it come from God? Ma fille, tes yeux là, ça vient de lui. Your eyes is from God. Bon, cheveux là, je sais pas, mais bah, même cheveux là, ça vient de lui aussi. Tout vient de lui. Chaîne là, c'est lui qui a mis ça dans la terre, et puis les hommes ont transformé. Ça vient de lui. La vie, life. La vie, life. La vie, life.
La vie, la plus grande bénédiction, la vie. The greatest blessing. Ça vient de lui. Comes from him. On n'a pas droit à l'erreur. We don't have right to mistakes. Tape comme ça ta poitrine, dis je ne dois pas échouer, je ne dois pas. I shall not fail. Ouvre la bouche, dis je ne dois pas échouer. Ah! L'échec ne doit pas être dans ma maison. The failure should not be in my house. Je ne dois pas échouer. Ma femme ne doit pas échouer. Mes enfants ne doivent pas échouer. Les entreprises ne doivent pas échouer. Mon ministère ne doit pas échouer. Rien, aucun échec. Mes enfants spirituels ne doivent pas échouer. My spiritual children should not fail. Moi, je te prêche ce matin par amour, de l'amour du Père. I preach you by the love of Father. Tu ne dois pas échouer. You should not fail. Quand les gens vont voir les démoniaques, ils leur disent, fais ça, tu auras ça. Fais ça, tu auras ça. Leur vie ne les intéresse pas parce que leur salut n'a pas lieu d'être. Ils sont déjà perdus. When people go to nous, on travaille sur votre salut. Those mysticism, they make sacrifice for nothing. Vous comprenez ça? Do you understand it? Maintenant, j'entends du ciel. I heard from the heaven. Le message que tu prêches ce matin, you preach this morning, sanctifie l'église. Sanctify the church. Si tu comprends la valeur de ce que je viens de te dire, tu vas vraiment acclamer le Seigneur. J'entends le message que tu es en train de prêcher, sanctifie, est en train de sanctifier l'église. La parole qui est prêchée te sanctifie. Ça veut dire que si tu es dans une situation, par exemple dans le cas du couple, il faut te repentir. Mais je viens de te dire que pendant que je prêche là, il y a le sang, l'aspersion qui passe et puis Dieu est en train de laver. Il est en train de laver l'église, il est en train de nettoyer. Donc c'est comme les fautes, il est en train de les enlever. Il est en train de les enlever. Donc, il les enlève pour qu'on ne les reprenne plus. So that we don't have a mistake again. Donc je parle à des hommes qui sont en train d'être sanctifiés et qualifiés pour recevoir la bénédiction. Sanctifiés et qualifiés ensuite pour recevoir la bénédiction. Parce que si vous n'êtes pas sanctifié, toute bénédiction qui vient sur vous est vaine. If you are not sanctified, any kind of blessing is vain. Est vaine. Votre terre n'est pas prête à recevoir ce qui est de Dieu. Your land is not ready to receive what comes from God. Vous comprenez ça? Do you understand it? Crie avec moi puissance. Say with me power. Crie avec moi puissance. You say with me power. Tout le monde crie, oh, j'ai le pouvoir de devenir, soyez bénis. J'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, j'ai une puissance, je suis devenu enfant de Dieu. I have the power, I became son of God. Moi, je ne suis pas un enfant de Dieu. I'm not a child of God. J'étais un enfant de Dieu en 1986 quand j'allais à l'église, quand je naissais de nouveau. I start go to the church born again. Aujourd'hui, today, je suis un homme accompli. I'm an accomplished man. La Bible appelle ça des hommes faits. And the Bible said ça that veut dire des gens qui ont mûri, qui ont la maturité spirituelle pour faire des choses par eux-mêmes parce qu'ils ont compris comment Dieu fonctionne par sa parole. Because understood how God works through His word. Si tu me comprends, claque tes doigts. C'est comme ça qu'on est béni dans cette maison. Il veut tout de toi. Il ne veut pas te partager. C'est pourquoi jusqu'à présent tu n'arrives pas à atteindre certains niveaux. Parce que tu vis en calculant. Tu te crois plus intelligent que Dieu. Tu veux diriger ta propre vie avec ton intelligence. You make some calculation. You want to lead your life. Donc il la laisse en tes mains puisque tu es capable de le faire. Fais-le. If you are able to do it by yourself. Lui ne sera jamais à court de solution. He will never lack of solution. Acclame Dieu pour ça. Clap God for this. C'est tellement important. It's very important. Maintenant, je veux que tu sois prophète. Dis à ton voisin, j'ai le pouvoir de devenir, de devenir. You have the power to become. C'est pas le pouvoir d'être. Not the power to be. Je suis un lionceau, mais j'ai le pouvoir de devenir un lion. I'm a small lion, but I have the power to become a lion.
Je suis un petit entrepreneur. J'ai le pouvoir, n'est-ce pas, de devenir un businessman incontournable dans mon domaine de compétence sur le plan mondial. I'm a small businessman. I have the power to become a great businessman. Je prie Dieu afin que chaque semence déjà positionnée en vous reçoive la puissance du Saint-Esprit pour vous donner de devenir non pas la semence, mais l'expression de cette semence dans sa dimension la plus haute. Dites, je reçois. You said that I receive it. Je parle sur toi, arrêté sur cet hôtel. Toutes les barrières qui sont érigées devant ta destinée comme ça pour t'empêcher d'avancer, je déclare qu'elles soient levées. La qualité de ton amen détermine ton accessibilité à cette bénédiction. You say amen and receive it. Qu'elle soit levée aujourd'hui, qu'elle soit levée à la minute. Je lève la barrière qui t'empêche de te marier, la barrière qui t'empêche de prospérer, la barrière qui t'empêche d'aller de l'avant, la barrière qui t'empêche de te multiplier, la barrière qui t'empêche de saisir tes opportunités. Je lève. I remove. Votre amen n'est pas convaincant. Reçois la puissance. Receive the power. Pour devenir multimillionnaire. To become multi-billionaires. Un amen significatif t'introduit dans cette dimension. You say amen and this dimension. Ils ont reçu le pouvoir pour devenir des enfants de Dieu. Toi, reçois le pouvoir pour devenir multimilliardaire. Reçois le pouvoir, j'ai dit reçois le pouvoir, reçois le pouvoir. On ne comptera pas tes milliards. Ce que la Côte d'Ivoire a de meilleur, je prends cela et je te livre cela. Déclare amen et reçois ta part. J'ai dit reçois ta part. Le pouvoir de devenir, le pouvoir de devenir productif, le pouvoir de rentrer dans la guérison miraculeuse, le pouvoir d'être délivré. Quelqu'un crie, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Parle, 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 je reçois, je reçois. Je te prends par les mains au nom de Jésus-Christ et je te soulève là où tu étais à terre. Oh, tu ne m'as pas déclaré un amen de champion. Je te soulève par dunamis. Je prends ta main, je te mets debout. Là où le diable t'a mis à terre depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu sors de ce culte debout. Tu sors de ce culte arrêté. Tu sors de ce culte debout. Au nom de Jésus. In the name of Jesus.